Je m'appelle René Bachoz, je suis né en Lorraine, je suis rentré dans la sidérurgie le 29 octobre 1956 au Haut-Fourneau. En 1970, mon chef de service me dit qu'il y a une usine qui va se construire en bord de mer et que la sidérurgie en Lorraine est sur le déclin. Moi-même, je suis descendu avec mon épouse, le 23 août 1973. On s'est installé aux Amaryllis et ensuite j'ai fait ma carrière au Fourneau. Depuis 87, le mois d'octobre 87, je fréquente le foyer. Au foyer, on rencontre des gens de toutes conditions avec lesquels on peut discuter. Et on peut discuter de tout. Je trouve que c'est une excellente solution pour moi parce que ça me permettait de couper ma journée, de m'habiller, parce qu'autrement je restais en survette, de m'habiller, d'aller au foyer et de discuter avec tout le monde. Les événements marquants de 2022. Premièrement, dans une association qui s'appelle Les Amis du Biofos, nous avons réalisé quelque chose qui s'appelle le Festival du Livre Provençal. Deuxième événement marquant que nous avons, qui m'a plu, j'ai participé, c'est qu'il n'existe pas de photographie, d'image, de fosse avant 1910 ans, avant la Première Guerre mondiale. Donc nous avons un peintre qui a vécu à Fos qui s'appelle Garibaldi, Joseph Garibaldi, et nous avons réalisé une exposition des vues de Fos par le peintre Joseph Garibaldi. Ça, c'est un événement qui m'a énormément plu. Ceux qui ont assisté à la cérémonie du 11 novembre ont vu quelque chose de nouveau, quelque chose qui sort de l'ordinaire. On s'est concentré sur la place devant le monument aux morts. Il y a eu quelque chose en l'honneur des morts, des poilus. Cette danse qui a été d'une douceur et d'une profondeur qui m'a marqué. Et là, je remercie Jean-René pour ce qu'il a fait. Pour 2023, je vous souhaite le bonheur, la tranquillité, être soi-même, être simple. Moi, je vais vous dire comment je fête le Nouvel An. Avant, quand j'étais jeune, je faisais la fête dans les bals, dans les trucs comme ça. Maintenant, c'est mes petits-enfants, que beaucoup connaissent, ils viennent, papy, on fait le Nouvel An. Et on fait le Nouvel An entre nous. On est 5, on est 6. On prépare des saucisses enroulées dans notre pâtisserie, on les cuit, on les mange. On boit notre champagne, champagne, voilà, on boit du champagne. Et je vous assure, quand on se couche, on est bien. À la télé, on regarde deux, trois trucs, mais c'est tout. Mais on est entre nous, voilà. Ça, c'est des nouvelles ans. Et puis quand on se réveille, on a pas mal à la tête. Et qu'on se retrouve tous ensemble l'année prochaine. Voilà. Ça va ? Ah, c'est bon.